Le discours en soi, il ne change pas forcément. Le but principal, c'est surtout de prendre du plaisir tous ensemble, à vivre et à jouer ensemble. Ça, c'est le plus important. Maintenant, voilà, on a travaillé beaucoup de choses à l'entraînement cette semaine. À nous de mettre ça en place ce week-end contre Caen. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui n'ont pas joué avec un bloc bas contre les Stags. Donc oui, c'est malheureusement c'est comme ça et on est une équipe qui vise le Graal. Donc on est et c'est normal confronté souvent à des équipes qui sont en bloc bas et ça fait partie du jeu et voilà va falloir avoir de la patience, va falloir être juste dans nos gestes et va falloir être chirurgical et essayer de voilà bah de jouer notre football, de se mettre à l'abri et d'être serein et prendre beaucoup de plaisir. Une équipe comme Caen, voilà, qui n'est pas forcément là où elle mérite d'être parce que c'est une très belle équipe avec de très bons joueurs. Donc voilà, faut surtout pas prendre ce match à la légère parce qu'ils sont en train de jouer le maintien. Au contraire, justement, il va falloir redoubler encore de concentration et d'exigence. Donc voilà, on est capable de le faire. On a une équipe qui est très mature. Donc voilà, va falloir se focaliser vraiment sur nous, sur notre jeu et faire abstraction de tout ce qui est à côté. Bien sûr qu'il va manquer des cadres et des joueurs importants du groupe, mais ça fait partie d'une saison, ça fait partie d'une carrière et le coach est très, très bien placé pour le savoir. Il y a des périodes comme ça où il lui manquera des joueurs, donc il va falloir que ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, qui jouent un peu moins, bah, montrent au coach qu'ils sont aussi capables d'apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est ça la force d'un groupe. Dans une saison, de toute façon, tous les 11 joueurs ne peuvent, enfin, les 11 joueurs titulaires d'un match ne peuvent pas jouer toute la saison. C'est comme ça fait partie du jeu. Donc voilà, c'est l'importance du groupe et aujourd'hui, on va être confronté à cette situation-là. Déjà, il fallait que j'avais besoin un peu de coffre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été acteur un peu de la saison. Faut pas oublier que ça faisait Covid plus ce début de saison à Lorient, ça faisait presque un an que j'avais pas joué. Donc c'est compliqué de retrouver du rythme. J'avais vraiment zéro compétition dans les jambes. Et c'est pas facile d'arriver dans un groupe qui marche très bien avec de très bons joueurs. Il a fallu que j'essaie de gagner ma place. C'est pas facile. Ça fait partie d'une vie de groupe. Et quand on arrive comme ça en intersaison, c'est pas très simple. Donc je suis pas encore satisfait de mon rendement. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Il va falloir que je bosse encore. Et je sais ce que je suis capable de faire. Et je sais sur quoi je dois bosser.